La meilleure manière, moi je pense que c'est essayer de l'éprouver. C'est-à-dire que on n'est pas nécessairement formé à ça dans notre parcours avant d'être enseignant. Et je pense qu'il faut absolument avoir des espaces où on puisse coopérer. Donc que ça soit au sein de l'école avec une équipe où on est vraiment à coopérer, ou alors dans des associations, enfin voilà, dans d'autres espaces, parce que c'est important sur de telles pratiques de pouvoir avoir des retours. Quand je dis coopérer avec d'autres enseignants, ça va être par exemple avoir des espaces où on va pouvoir parler de sa pratique dans un espace sécurisé, avec des personnes qui vont être non jugeantes mais qui vont être aidantes, pour pouvoir voilà, être capable de poser sur la table des choses qui ne fonctionnent pas, d'avoir un regard aidant sur voilà, moi j'ai cette situation-là, je l'ai vécue, j'ai fait d'une autre manière, peut-être que. Voilà, donc il y a tous ces aspects-là de formation, et puis aussi d'aller vivre et d'éprouver la coopération, parce qu'il y a des choses qui sont pas nécessairement évidentes. Coopérer, des fois, ça peut prendre du temps, c'est-à-dire qu'il y a l'acceptation de l'autre, de la prise en compte de l'autre, et donc tout ça, c'est par rapport à des facilités qui pourraient être de juste penser à soi, ça demande à être travaillé, à être vécu.